Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1, et nous allons lire ensemble. Vous l'avez ? En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Alors déjà, rien que ça, je ne sais pas, vous trouvez ça logique ? Si je vous dis, vous allez faire de l'évangélisation et je vous recommande d'aller au sommet de la montagne, là-bas, au milieu des arbres, et vous allez faire de l'évangélisation. Vous me dites quoi ? c'est pas cohérent, il y a un paradoxe, c'est pas possible. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prêcher. Très bonne chose. Mais il va dans un désert. Le désert de Judée. J'ai vu le désert de Judée. Je peux vous dire ce que c'est. Hein. Que des cailloux. C'est pas un désert avec des dunes de sable. Hein. Non, non, c'est un désert de cailloux. Franchement, c'est inhospitalier au possible. Et le texte nous dit, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, quel est le propos de Jean-Baptiste ? De quoi il va parler ? De quoi il va prêcher ? La repentance. On en a parlé hein, tout à l'heure. Alors bon, je vous dis tout de suite, c'est ça la vague. Et là, vous me dites, oh là là, la repentance. Quand on parle de repentance, on pense à quoi ? Au péché ? À quoi encore ? Allez, dites-moi. On fait un brainstorming là. Vous savez, c'est... Culpabilité. Hein, quoi encore ? Allez, je vous écoute. Humilité. Hein ? Se couvrir la tête, le sac et la cendre, c'est compliqué. Hein? Je vous dis, c'est ça la vague. Vous allez surfer dessus. Et là, vous dites, ouh, chaleur. Difficile, hein? Mais vous allez voir. Donc Jean-Baptiste disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et remarquez bien, le verset 3 nous dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Effectivement, préparer le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers. Autrement dit, ce que Jean-Baptiste est en train de prêcher prépare le chemin de Jésus. Donc c'est un message très important et vous allez voir à quel point. Alors je passe la mode à laquelle Jean avait souscrit avec son vêtement en poil de chameau, mais tout ça c'est pour dire que c'était un homme simple qui ne s'embarrassait pas je voudrais savoir ce que les gens pensent de moi. Hein? Voilà. Et donc, Jean se nourrissait également de choses très simples, de sauterelles et de miel sauvage. Quand vous lisez le verset 5, on est quand même un peu impressionné, un peu interloqué, je dirais même. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, laissez-moi vous expliquer. Les gens de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, allaient voir Jean-Baptiste pour faire quoi ? Je vous écoute. Pour confesser leurs péchés et se faire baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Alors, Jean, premièrement, Jean est dans un désert. Vous pensez que la foule est venue comme ça du jour au lendemain voir Jean-Baptiste ? Je crois pas. Je crois pas. Pas possible. Je pense qu'il y a eu peut-être quelques badauds qui sont venus au départ. Et ces badauds ont entendu ce que Jean était en train de prêcher. Et ces gens ont vécu quelque chose de tellement fort que quand ils rentraient chez eux après, les gens qui les voyaient rentrer chez eux les voyaient rentrer en train de surfer sur la vague. Et il se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Ce que tu as, je le veux. Où est-ce que je peux l'avoir ? Où est-ce qu'il faut signer ? Dis-moi ce que je dois faire pour l'avoir. Vous savez, c'est comme ça que marche l'évangélisation. Ça ne marche pas autrement. Si vous allez prêcher quelque chose aux gens qu'ils doivent faire, ou qu'ils doivent connaître, ou qu'ils doivent apprendre, ou qu'ils doivent calculer, ça n'intéresse personne. Mais si vous vivez quelque chose de tellement énorme dans votre vie, que vous êtes en train de surfer sur une vague toute la journée et tous les jours que Dieu fait, je vous garantis, les gens vont venir vous voir et vont venir vous dire « Où est-ce que tu as trouvé ce que tu as ?» Je veux ça.
Et c'est ce qui se passait, parce que le texte nous dit que tous les habitants, alors c'est pas Matthieu qui le dit, mais dans d'autres évangiles, on a tous les habitants de Jérusalem venaient, et tous les habitants de la Judée. Comme si, vous savez, quand on le lit comme ça, si on prend un raccourci, on a l'impression que d'un seul coup, du jour au lendemain, l'armée se lève et va voir Jean-Baptiste, et tout le monde se fait baptiser. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient au baptême ? Le texte nous dit, ils confessaient leurs péchés, et ils venaient se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Alors je voudrais, allez, trois jeunes volontaires, s'il vous plaît. Trois jeunes volontaires, allez. Trois, les trois premiers. Voilà, venez, venez, venez. Ah, vous ne savez pas ce qui vous attend. Hein. Allez, venez devant nous. Voilà, alors ça se passait comme ça. Imaginez que Laurent, que Camille et que Ethan vont maintenant confesser leurs péchés devant vous. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Alors, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ? Qu'est-ce que vous avez à confesser ? Tu sais pas ? Attends, on va demander à ta maman, là. Peut-être le papa ? Alors, allez-y. Vous vous sentez comment, là ? Pas très, très bien. Hein. Attendez, on va ouvrir un confessionnal, ça sera plus facile. Vous êtes d'accord ? Hein, comme ça, ça sera au moins juste entre vous et moi. Ça va ? Ça va mieux ? Oui. C'est plus facile, hein ? Mais quand même, hein ? Difficile. Allez, je vous libère, parce que là, ça va être compliqué. Les trois jeunes que vous avez vus là, ils étaient au bord du Jourdain, pendant que Jean-Baptiste prêchait. Et les trois jeunes, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert la bouche. Et ils ont commencé à confesser leurs péchés. Il n'y avait pas de petit confessionnal. Il n'y avait pas d'endroit secret. Vous savez, c'est l'Église du Moyen-Âge qui a inventé ça. Le secret. Chut. Surtout, Paola, je ne vais pas te dire ce que j'ai fait cette semaine. Comme ça, peut-être que tu vas te dire, ah, voilà quelqu'un de bien. Les gens venaient au baptême de Jean. Le texte le dit. Relisez avec moi. C'est dit d'une manière tellement simple. Les habitants de Jérusalem, verset 5, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. C'est un participe présent. C'est-à-dire, pendant qu'ils se faisaient baptiser ou juste avant qu'ils se fassent baptiser, ils venaient confesser leurs péchés. Vous savez, on retrouve ça dans la culture d'Israël de l'époque. Quand un Israélite avait péché, quand ils étaient dans le désert, vous savez qu'il y avait un kilomètre autour du tabernacle, un kilomètre de vide, de no man's land. Et c'est après ce kilomètre que se trouvaient les tentes d'Israël. Quand un Israélite avait péché, vous imaginez ? Aïe, aïe, aïe ! Vous preniez votre agneau et vous deviez traverser... Alors bon, si vous étiez, comment dire, très peureux de votre péché, peut-être que vous pouviez vous cacher sous l'agneau, marcher à quatre pattes sous l'agneau et faire comme si, ah, un agneau s'est échappé. Mais en tout cas, pendant un kilomètre, tout le monde avait le temps de venir voir que vous allez au tabernacle avec votre sacrifice. Autrement dit, ah, tiens, tiens, Myriam, ah qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Voilà. Ou, ah, voilà Gaëlle. Ah, je savais bien. Et vous savez, il n'y avait pas cette culture du secret. Quand vous avez, à l'Église primitive, dans l'Église primitive, après la Pentecôte, vous avez Ananias et Saphira qui sont en train de mentir à l'Église. Ce péché est su par tout le monde. On ne cachait pas les péchés à l'époque. Vous savez, si on vivait comme à l'époque de Jean-Baptiste, ce qui se passerait aujourd'hui, on aurait Jean-Baptiste qui serait là, qui prêcherait, et je me mets là, c'est mieux, il prêcherait, et puis les uns après les autres, on irait, et puis on dirait ce qui se passe dans notre vie. Et vous savez, pendant que David Ben, ce que vous voulez mettre derrière, était en train de dire devant tout le monde ses péchés. Dans l'assemblée, il y avait des gens qui entendaient ça.
et qui se disait, waouh, il a le courage de dire ce qui se passe dans sa vie. Et si moi je me libérais aussi? Et si moi je déposais aussi mon fardeau? Et si moi j'admettais aussi que je ne suis pas vraiment celui que les gens pensent que je suis? Vous imaginez? Et comme ça, les gens revenaient de cette visite qu'ils faisaient à Jean-Baptiste, ils revenaient libérés, complètement libérés. Les gens ne venaient pas pour dire essentiellement ce qu'ils avaient fait. Autrement dit, parmi les trois qui étaient là, je suis presque sûr, je ne sais pas s'ils vont confirmer, que l'un des trois, a menti cette semaine, au moins une fois. L'avez-vous fait? Je ne vous demande pas de répondre. Mais les gens ne venaient pas confesser ce qu'ils avaient fait. Ils ne venaient pas dire « j'ai menti à ma femme ». Je lui ai dit que j'irais faire les courses, mais en attendant, je me suis assis sur une terrasse de café et puis je me la suis coulée douce. Et quand je suis rentré à la maison, elle m'a dit « mais t'as pris beaucoup de temps ». Je lui ai dit « ben, il y avait du monde à la caisse ». C'est pas ça que les gens venaient confesser. Les gens venaient confesser ce qu'ils étaient. Autrement dit, je suis un menteur. Vous savez, quand vous prenez ce temps devant le Seigneur, chaque jour, c'est pour ça que je vous dis que c'est une vague merveilleuse. Quand vous prenez chaque jour ce temps avec le Seigneur et que vous vous ouvrez à lui, que vous ouvrez votre vie, que vous lui dites ce que vous vivez, et que vous dites par exemple, Seigneur, j'ai menti à mes enfants. Je ne leur ai pas dit toute la vérité. Je leur ai dit presque la vérité, mais écoute. Alors on commence à se donner des... Vous savez, on va se trouver des explications et des arguments. Et si on écoute le Seigneur, si on reste vraiment connecté à lui, le Saint-Esprit va nous dire, attends. T'es qui, là? Et là, le Saint-Esprit nous invite à voir qu'on est menteur. Et parfois, le Saint-Esprit vous dit, est-ce que tu retrouves ça autre part dans ta vie? Et là, on commence à regarder. Et votre vie commence à devenir ouverte devant Dieu. Et le Seigneur continue à vous dire parfois, creuse un peu plus loin, regarde ce qu'il y a derrière. Parce que derrière le mensonge, il y a toujours quelque chose, il y a une peur souvent. Et derrière la peur, il y a autre chose. Et le Saint-Esprit va creuser. Il va commencer à creuser et à creuser et à creuser. Et c'est ce qui se passait quand les gens venaient au baptême de Jean-Baptiste. Parce que les gens qui commençaient à s'ouvrir devant Jean-Baptiste, ceux qui s'ouvraient, ceux qui avaient le courage de passer les premiers, permettaient à tous les autres d'entendre ce que le Saint-Esprit était en train de leur dire à leur propre compte, sur leur propre compte. Et vous savez, les gens repartaient libérés. Il y avait juste une catégorie qui ne jouait pas le jeu. Suivez-moi. Oui, c'est au verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Autrement dit, ce que faisaient les pharisiens et les sadducéens, vous savez, race de vipères, vous avez déjà vu la langue d'un serpent? Elle a deux branches. Hein? Ben, race de vipères, c'est des gens qui disent mais qui ne font pas. Et probablement qu'au baptême de Jean, il y avait des pharisiens et des sadducéens qui venaient et qui disaient aussi des choses, vous comprenez, il faut quand même qu'on ne perde pas notre autorité et qu'on ne perde pas la reconnaissance que les gens ont de nous. Alors on va nous aussi dire des choses, mais pas très graves, pas très dangereuses. Et Jean les arrête. Jean va leur rendre le plus grand service qu'il ait pu leur rendre. Il les regarde et il les appelle race de vipères. Vous êtes en train de tenir un double langage. Les gars, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Et vous trompez tout le monde avec vos histoires. Et il faut arrêter ça. Le pharisien qui entendait ça, qui recevait ça, pouvait se repentir, changer sa vie. Vous savez, la repentance, repentir, le mot repentance en français vient d'un mot grec, métanoïa, qui veut dire changer de vie. Changer de vie. Mais je ne peux pas changer de ma vie si je continue à être chargé de ce que je suis.
chargé de moi-même, chargé de mes vieilles habitudes, chargé de mes vieux schémas qui sont là dans ma tête et qui orchestrent tout et qui fonctionnent d'ailleurs comme une machine automatique. Je suis sûr, s'il arrive que dans cette journée, vous soyez dans certaines circonstances bien précises, je suis persuadé que la plupart d'entre vous se mettent en colère tout de suite. Vous connaissez ces circonstances qui vous font perdre votre calme. Ou vous connaissez ces autres circonstances qui vous font douter. Ou vous connaissez ces autres circonstances qui vous font devenir égoïste, égocentré. Moi, je les connais. Mais si chaque jour, je ne prends pas ce temps avec le Seigneur pour pouvoir me repentir, pour pouvoir l'écouter, me parler, pour qu'il me dise, regarde Jean-Marc, jusqu'où ça va? Et je peux vous dire combien de fois j'ai pleuré devant le Seigneur en disant, Seigneur, mais comment tu fais pour m'aimer? Comment tu fais? Regarde ce que je suis. Et le Seigneur nous aime. Le magnifique de la repentance, il est, alors cette vague, elle est faite de deux, en fait c'est deux vagues. Deux vagues extraordinaires. La première qui nous permet de reconnaître ce qu'on est, et la deuxième qui nous permet de recevoir quelque chose qu'on n'attend plus, parce qu'on se voit tellement laid, tellement moche. C'est le pardon de Dieu qui lave tout. Quand les gens viennent au baptême de Jean-Baptiste, ils arrivent comme ils sont et ils repartent complètement libérés. Vous avez un exemple dans la rencontre entre Jésus et cette femme qui vient puiser à midi à côté de Sichar, qui fuit tout le monde parce qu'elle a eu cinq maris, vous comprenez, celui qui est là, ce n'est pas son mari. Elle se sent coupable comme ce n'est pas permis. Et la première chose que Jésus lui dit, après lui avoir demandé de l'eau, la première chose qu'il lui dit, qui c'est qui pourrait me dire? Ça commence par « si tu connaissais ». Le don de Dieu. Merci. Oui. Si tu connaissais le... Vous avez un synonyme de don? C'est bientôt Noël. Le cadeau. Le cadeau. Si tu connaissais le cadeau de Dieu qui est en train de te parler, tu lui aurais demandé de l'eau de la vie. C'est extraordinaire de voir comment Jésus s'adresse à cette femme. Et je voudrais ouvrir quelque chose ce matin, quelque chose de très important. Parce que lorsqu'on parle, et je crois que c'est toi qui l'as dit Michel, lorsqu'on parle de péché, on parle souvent de... Merci Michel. On parle souvent de culpabilité. Lorsqu'on regarde au péché, on regarde à la culpabilité. Et c'est bien. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, et je vous invite à prendre ce texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, verset 10, ce texte nous parle de la culpabilité. Parce qu'il y a une bonne culpabilité et il y a une mauvaise culpabilité. 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, Paul va dire, la tristesse selon Dieu... Je vais l'appeler autrement. La culpabilité selon Dieu. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Donc la tristesse selon Dieu produit un changement de vie dont on ne se repent jamais, dont on ne revient jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous savez, la culpabilité selon Dieu, Dieu va nous dire qu'on est coupable. Dieu ne va pas nous dire qu'on n'est pas coupable si on l'est. Et il fait ça pour notre bien. Mais après, il nous donne le pardon. Il nous dit, regarde ce que tu es. Et moi, je t'aime. Vous savez, cette tristesse, elle est en deux phases. La tristesse selon Dieu, elle est en deux phases. Et la tristesse selon le monde, elle n'a qu'une phase. Et c'est pour ça qu'elle est mauvaise. La tristesse selon Dieu a deux phases, parce que la première chose qui m'arrive dans cette tristesse, c'est que je réalise mon péché et je suis d'une tristesse innommable. Et la deuxième phase, c'est que cette tristesse selon Dieu vient du fait que je reçois l'amour de Dieu. Que Dieu s'adresse à moi et me dit, je t'aime tel que tu es. Je t'aime comme tu es. Et moi, j'ai envie de dire au Seigneur, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, je viens de voir ce que je suis, oh là là, c'est horrible.
Attends, je vais d'abord changer. Et le Seigneur me dit non. Je t'aime comme tu es. C'est les deux phases de la tristesse selon Dieu. Et ça rend triste de se dire Dieu me donne son amour alors que moi je suis comme ça. On aimerait tellement être meilleur. Et ça, c'est de l'orgueil. Donc la tristesse selon Dieu attaque le péché et il attaque l'orgueil. Elle attaque l'orgueil. La tristesse selon le monde, vous savez ce que ça fait ? Ça rend juste coupable. On se rend compte de ce qu'on est et ça s'arrête là. Donc on reste dans notre orgueil et on n'avance pas. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport au péché. Parce que la Bible nous donne le chemin pour sortir de nos péchés, pour sortir de nos culpabilités. Et je voudrais vous poser une question ce matin. Qu'en est-il des péchés que l'on porte et que l'on n'a pas commis ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'en est-il des péchés que l'on porte et que l'on n'a pas commis ? Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un oncle qui s'appelle Joseph. Il est en prison actuellement. Joseph, à l'âge de 5 ans ou 6 ans, a vécu un drame dans sa famille. Ses parents se sont déchirés, ils se sont séparés et son papa est allé habiter avec une autre femme, qui était ma grand-mère. Donc c'est un oncle par alliance. Et la maman de Joseph et de son petit frère Herbert, qui lui avait 3 ans, est venue dans une colère sans nom avec ses deux garçons, déposer devant chez ma grand-mère ses deux enfants. Elle est venue avec sa voiture, elle a sorti les enfants de la voiture, elle a sorti les valises des enfants et elle est partie. Joseph, qui était le plus âgé, a couru derrière la voiture de sa mère jusqu'au bout de la rue en pleurant. Ce petit garçon a été victime d'un péché, portait un péché dont il n'était pas l'auteur, dont il était la victime. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il arrive parfois que l'on vive des péchés dont on n'est pas l'auteur. Joseph a mal tourné. Quand il est arrivé à l'adolescence, il a été placé en maison de redressement. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Et puis il a commencé à commettre des petits vols à l'étalage. Et bien sûr, dans cette maison de redressement, il a appris à connaître d'autres garçons qui étaient bien plus chevronnés que lui et qui savaient beaucoup mieux comment faire pour voler. Et Joseph, un jour, est allé jusqu'à cambrioler des banques. Aujourd'hui, il est en prison. Sa vie est détruite. Joseph a commis des péchés dont il est coupable, dont il est responsable. Mais si vous regardez sa vie, à l'origine, vous avez un événement terrible qui va démolir ce qu'il est. Qu'est-ce que la Bible répond à ça ? Qu'est-ce que Dieu répond à ça ? Je retrouve l'exemple de notre femme samaritaine. Cette femme qui vient puiser de l'eau à midi est certainement coupable de bien des choses. D'ailleurs, on le lui reproche. Mais je mets ma main à couper que cette femme est certainement victime de quelque chose également. Si vous lui parlez le discours de la culpabilité, comment cette femme va-t-elle pouvoir sortir de son problème ? Comment va-t-elle pouvoir sortir de sa vie ? Et là, on retrouve Jean-Baptiste. Vous imaginez les histoires que Jean-Baptiste a dû entendre alors qu'il baptisait les gens dans les eaux du Jourdain. Vous imaginez ce que les gens ont dû sortir de leur vie. Vous imaginez les pleurs de certains. Vous imaginez les regrets d'autres. Vous pouvez imaginer à quel point, pour certains, et je sais que parmi nous, il y a des gens qui sont de véritables victimes de certaines choses dans leur vie.
Comment sortir de là? On continue à surfer sur la vague, vous êtes prêts? Je vous invite à prendre le psaume 27. Et l'un des chants que Daniel nous a proposé tout à l'heure reprend les termes de ce psaume. Tu vois à quel point tu étais inspiré, Daniel. Hein. Psaume 27, je désire habiter dans ton temple. Alors, vous l'avez ? David va dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi, et vous avez typiquement dans cette phrase le descriptif de quelqu'un qui est victime des autres ou victime de quelqu'un d'autre. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, vous savez, quand Joseph a couru derrière la voiture de sa maman, on peut dire que ça lui dévorait ce qu'il était. Ça lui a mangé son enfance. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Et David dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. David a probablement été victime aussi de quelque chose. Vous savez que, par exemple, David était victime des persécutions de Saül qui voulait sa mort, entre autres. Et au verset 4, David va dire, je demande à l'Éternel une chose. Il ne demande pas deux choses. Il demande une chose et il précise en plus que je désire de tout mon cœur, ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors là, on se dit, ah bon, comme ça tu vas habiter dans l'église. Bon, si tu veux, hein. Qu'est-ce que David est en train de dire là ? Regardez ce qu'il dit. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. C'est le temple, hein. C'est pas l'église, hein. Vous l'avez compris. Et au verset 5, il dit, car il me protégera dans son tabernacle. Donc il s'agit vraiment du temple, la tente, hein. C'était pas, vous savez, c'était pas le temple de Salomon, hein. C'était la tente. Et même à l'époque, il n'y avait plus de tente. Hein? Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Ce rocher n'est autre que Jésus. Et là, David va dire comment Dieu nous propose de sortir de ces péchés dont nous sommes victimes. Dieu va nous protéger dans son tabernacle. Vous savez, quand l'Israélite venait avec son agneau et qu'il arrivait là, vous vous souvenez de cette personne dont je vous ai parlé il y a de ça quelques temps pendant qu'on était chez Daniel et Myriam? Je vous ai parlé de Hélène qui a subi des choses effroyables dans sa vie. Violée plusieurs fois, elle a fini par sombrer dans toutes sortes d'addictions. Je la suis encore maintenant. Quand elle vient au temple avec son agneau, parce qu'elle se comporte mal, parce qu'elle est victime d'addiction, vous savez, elle demande pardon au Seigneur pour ce qu'elle fait, mais il y a autre chose derrière qu'elle doit régler. Il y a ce péché dont elle est la victime, et elle n'a pas pu régler ça. Elle est en cheminement pour le faire. Comment elle va faire? Comment David fait quand il se présente devant Dieu et que derrière lui, il y a des gens qui lui font du mal? Alors il vient dans ce temple et il vient se présenter devant Dieu. Et vous savez, ce temple va parler d'une personne, une seule personne, tout le long. Au départ, vous offrez votre sacrifice en confessant vos péchés. Après ça, vous êtes lavé dans l'eau, vous êtes purifié. Ensuite, vous rentrez dans le tabernacle et vous avez les pains de proposition qui sont là et la Shekinah
Donc le chandelier a cette branche qui représente le Saint-Esprit et finalement l'autel des parfums. Tout parle de Jésus. Tout parle de ce dont Jean-Baptiste, de ce que Jean-Baptiste prêchait aux gens. C'est-à-dire, quand tu es coupable, quand tu es victime, Jésus est là pour toi. Ce que Jésus va dire à la femme samaritaine me touche, et à deux reprises, il lui parle du don de Dieu. Avant de lui parler de son mari, va chercher ton mari. Avant ça, il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu. Et vous savez, j'entends Jésus qui dit à cette femme, si seulement tu connaissais le cadeau de Dieu, si seulement tu sortirais de là, je t'assure que tu sortirais de là. Et cette femme va pouvoir voir en Jésus celui qui l'aime avec tout ce qu'elle est. D'une manière inconditionnelle. Et pas d'une manière intrusive. Il ne va pas chercher la petite bête. Il ne va pas vouloir la persécuter jusqu'à ce qu'elle avoue. Allez, avoue, avoue, parle. Vas-y, crache le morceau. Dis-moi ton péché. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Jésus va, j'allais dire, la prendre dans ses bras. Et si elle n'a pas envie d'être prise dans les bras de Jésus, il ne va pas la prendre dans ses bras, mais il est là pour elle. Et il va l'accompagner. Et il va lui parler du cadeau de Dieu pour elle. Si tu connaissais le cadeau de Dieu pour toi. Le cadeau de Dieu, c'est que Dieu lui-même vient comme un être humain. Il vient prendre ta place et il vient mourir à ta place. Le résumé, pour moi, l'un des plus beaux résumés de la Bible, se tient dans une phrase. C'est Dieu qui vient donner sa vie pour ma vie. Vie pour vie, en échange. Valeur pour valeur. Dieu est en train de me dire, à mes yeux, tu as la même valeur que moi. Et je voudrais aller plus loin. Vous avez un texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21. J'aimerais que ce soit l'un d'entre vous qui lise ce texte, mais alors bien fort, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, verset 21. Un ou une volontaire, bien fort. Celui qui n'a pas connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Merci beaucoup. Je savais que ce serait toi qui lirais, Alice. Merci, Alice. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice pour Dieu. Quand Jésus parle à la femme samaritaine, il est celui qui va porter son péché. Il est celui qui va porter les péchés qu'elle a commis, mais il est aussi celui qui va porter les péchés dont elle est la victime. Autrement dit, Jésus devient celui qui est le responsable, qui se constitue en tant que responsable pour les péchés de l'humanité. Et si vous avez été victime de péchés d'autres personnes, laissez-moi vous dire que Jésus s'est constitué comme responsable de ces péchés. C'est-à-dire que quand il est sur la croix, si vous passez devant la croix, vous savez ce qu'il va vous dire ? Si vous êtes victime d'agression, de péchés d'autres, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Un mot. Un mot. Ça commence par la lettre P et ça termine par la lettre N. Pardon. C'est Dieu qui vient demander pardon. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'il porte ça. Et parce qu'il comprend ça. Et parce qu'il souffre de ça. Vous vous souvenez, Paul va dire, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Parce qu'il souffre avec nous. Quand Jésus est là sur cette croix, non seulement il est en train de dire « Je paye pour tous vos péchés et je vous aime tel que vous êtes », mais il est aussi en train de dire pour toutes les victimes « Pardon ». Voilà le Dieu que nous avons.
Voilà la raison pour laquelle les gens de tout Jérusalem, de toute la Judée, venaient voir et écouter surtout Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste leur parlait de ça. Voilà pourquoi les gens acceptaient de reconnaître leurs péchés. Voilà pourquoi les gens acceptaient de reconnaître le fait qu'ils sont des victimes et qu'ils ne savent pas comment sortir de là. Sauf si quelqu'un vient leur dire « pardon ». Vous connaissez Céline ? Céline a été mariée à un homme pendant 8 ans qui était un pervers narcissique. Elle a failli en mourir, vraiment. Et vous savez, quand j'ai réalisé, après le début de notre relation, qu'elle avait été avec un pervers narcissique et ce que ça lui avait fait, je suis allé sur Internet et j'ai commencé à lire des témoignages de personnes qui ont vécu ça. Ça a été effroyable de lire ça, pour moi, mais je ne l'avais pas vécu. Et je me souviens, un soir, je suis allé la voir et j'avais copié dans mon ordinateur ses témoignages. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord qu'on lise ça ensemble ? Pour l'aider à réaliser, à avancer. Et elle m'a dit, d'accord. Je peux vous dire, on n'était pas arrivé au deuxième témoignage, elle était déjà en larmes. Et là, le Seigneur m'a inspiré quelque chose. Quand j'ai vu dans quel état elle était, je l'ai regardée et je lui ai dit, écoute, je te demande pardon pour tout ça. Elle m'a dit, mais pourquoi tu me demandes pardon ? T'as rien fait. J'ai dit, je te demande pardon en tant qu'homme. Parce que tu as été mise à mal par un homme. Et moi, en tant qu'homme, je voudrais te demander pardon pour ça. Moi, je n'ai rien porté de tout ça. Et si jusque-là, elle était en train de verser 2 larmes à la seconde, là, ça a été la rivière. Parce qu'elle a entendu que quelqu'un lui demandait pardon. Je remercie le Seigneur de m'avoir inspiré ça, à ce moment-là. Mais j'ai rien inventé. Parce que celui qui m'a inspiré, c'est lui l'auteur de ça. Je vous propose que nous recevions ce cadeau de la repentance. Parce qu'on peut le vivre chaque jour et on peut surfer sur cette vague chaque jour. Chaque jour, on peut être libéré, mais vraiment libéré. Et il n'y a que le Seigneur qui peut nous libérer. Parce que lui, il est venu porter tout ça sur lui. Je vous propose également que, en tant qu'Église, on cesse de regarder le péché uniquement au travers de la lorgnette de la culpabilité. Parce que c'est ce qu'on fait dans l'Église. Parce que parfois, lorsque quelqu'un se comporte mal, nous ne savons pas toujours ce qu'il y a derrière. Si derrière, il n'y a pas une victime qui a été mise à mal, mise à terre, et que c'est peut-être la raison pour laquelle cette personne est en train de boire ou en train de vivre une vie qui ne ressemble pas à ce que la parole de Dieu nous propose de vivre. Je vous propose qu'on regarde aussi le péché sous l'angle de la victime, parce qu'il y a ça. Et je crois que vous et moi, on a tous vécu les deux, plus ou moins, à plus grande échelle ou à moindre échelle. Mais le Seigneur s'adresse à nous, pas seulement comme les auteurs du péché ou les pratiquants du péché, mais aussi parce que nous sommes des victimes. Nous avons hérité de mauvais côtés qui viennent de nos parents, de nos grands-parents, rien que ça. Vous savez, Paul va dire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et il dit, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et il termine en disant, grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ça, c'est magnifique.
Je vous propose que dans les comités d'église, que dans les assemblées administratives, que dans le regard qu'on porte sur les uns et les autres, nous puissions adresser une parole qui vient de notre expérience avec notre Dieu, de notre expérience dans la repentance, qui nous permet de réaliser qu'on n'est pas meilleur que les autres, loin de là, et moi le premier, et que donc je peux regarder mon frère ou ma sœur, même s'il fait n'importe quoi de sa vie. Et je me souviens de ce soir où j'ai récupéré une personne qui fait partie de l'église sur un trottoir, complètement ivre. Je l'ai mis dans ma voiture, j'ai raconté ça aux jeunes tout à l'heure, et pendant tout le voyage qui me séparait de l'hôpital, la personne était en train de sombrer dans un coma éthylique. Je lui ai donné des claques pendant tout le voyage pour qu'elle reste réveillée. Mais des claques, je peux vous dire, des claques, des bonnes claques. Si on s'arrête à regarder ce que la personne fait, qu'est-ce qu'on va lui dire ? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je vous invite à vivre cette expérience, à surfer sur cette vague, n'est-ce pas Daniel, de la repentance tous les jours, pour que le Seigneur nous approfondisse, nous ouvre aux autres et nous permette de partager, de recevoir déjà son amour qui est immense, et nous permettre de pleurer sur notre triste sort, mais après de pleurer de joie devant ce pardon merveilleux qu'il nous donne, et qu'ensuite nous puissions adresser cet amour à ceux qui nous entourent. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit nos frères et sœurs, que ce soit nos voisins, que ce soit nos collègues de travail, que ce soit n'importe qui nous entoure. Et que le Seigneur nous bénisse, parce que c'est ce qu'il désire le plus au monde. Amen.